Ici, je parle du jeûne thérapeutique, les fruits et légumes, les jus de fruits et légumes frais et crus et les lavements intestinaux. Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma découverte au Maroc, à Marrakech. Je suis allée à Marrakech il y a 2 semaines, mais depuis, je voulais vous montrer ce que j'ai fait là, comme découverte là-bas. Je n'ai pas pu le faire. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que je partage tout avec mes amis. Donc, je vais vous faire voir tout ce que j'ai vu. J'étais au palais de la Baïe. J'étais au jardin secret. J'étais à la boutique Herboris. Et j'étais aussi à la coopérative artisanale. Voilà, qu'est-ce que c'est que le palais? Le palais, c'est là où les gens font les fêtes, les gens se marient, quand ils quittent de la mairie, ils viennent faire les photos là-bas, les étrangers viennent faire la visite et tout et tout. Et le jardin secret, c'est la même chose, mais différente, parce que dans le jardin secret, il y a des chambres, il y a de tout ce qu'on peut voir. Je vais vous montrer le moyen, ce que j'ai pu prendre en photo. Et puis, qu'est-ce que la coopérative artisanale, n'en parlons plus, c'est là où tous les artisans, parce qu'il y a des artisans qui n'ont pas de boutique. Quand ils travaillent dans la maison, ils viennent déposer là aux gens de vendre. Donc, il y a beaucoup de trucs là-bas que les gens viennent déposer aux autres, ceux qui ont eu la chance d'avoir les boutiques. Les amis, je vais vous faire voir un tout petit peu comment nous déjeunons ici à l'hôtel. Ici, ça, c'est l'entrée, les entrées ici. Là, c'est nos buffets hein, au choix. Hein. Les buffets au choix. Et puis, ça, c'est les couverts. Hein. Chacun choisit ce qu'il veut. Pardon. Ça, c'est dans la collecte, c'est ça? Coopérative. Dans la coopérative artisanale du Maroc. Voilà, c'est ça. Et là, il va me montrer un peu tous les produits qui sont là. Allez, allons-y. Là, c'est pour les métaux. Voilà, ça veut dire les théières, les plateaux, les théières, les verres à thé. D'accord. Il y a aussi une grande production pour les céramiques et tout ce qui est travaillé avec de l'os. Là, c'est la partie réservée pour les blousons en cuir. Oui. On prend ici les sacs à main, les sacs à dos. Oui. Et ça, c'est les sacs bagages. D'accord. Ainsi que les touffes. Oui. Ici, c'est un rayon réservé pour les cartons, les djellabas, le travail féminin, voilà, comme ça. Oui. Les cartons, les djellabas, les hommes, les tambours, d'accord. Ainsi que les babouches. Ah oui, voilà. Oui. Toutes sortes de babouches. Oui. La partie féminine aussi réservée pour les foulards, les écharpes, les épaules, les collages pour le couvre-lit, pour le couvre-lit. C'est que la marqueterie. Ça, c'est la marqueterie. Voilà, tout ce qu'on prend. Après, on va entamer une place. Là, c'est une place réservée pour les jeux en argent massif, pour les anciens jeux. Super. Pour ma cousine, c'est gratuit jusqu'à la caisse. En tout cas, ça, c'est mon truc. Non, tu vas payer pour moi, pour ta cousine. Attends, on va voir. Non, attends. Vous payez pour moi, pour ta cousine. Je paye pour les gazelles que n'ont pas assez d'argent. Oui. Voilà, c'est ça. Oh, regarde. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui est beau dans la collection marocaine. Cameroun et Maroc, voilà. Ouais. Viens. On continue par où là? Absolument, c'est fini maintenant. Si vous avez vu votre petit travail, je suis là pour ça. D'accord. Ça va du bien, mon adresse. Ben, amène-moi encore vers les autres choses. Hein. Ah, c'est le vélo. Vous avez aussi sur votre partie, vous avez aussi toutes sortes de céramiques. Oui. Tout ça, ce sont les céramiques. Et ça, c'est les appliques. Les appliques, nouvelle création aussi. Vous avez aussi des bougies, comme des bougies à l'arrière-plan. D'accord. Tout ce
Tout est là, voilà. Ah, super. Super. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pour les renseignements, c'est 2000 euros pour moi. Quelle histoire. Cameroun du Maroc, c'est number one, voilà. Ah ouais. Vive le Cameroun, Mama Africa. En tout cas. La terrasse des épices, c'est pas là. On ne peut pas le café. Chers amis, excusez-moi si cette vidéo sera longue. C'est juste pour vous présenter ce que j'ai vu. Royal de Marrakech, il y avait à Abaï, le palais s'appelle Abaï. Donc, je découvre que les murs sont faits de zélige, des carreaux, jusqu'à la taille d'une personne. Les plafonds, carreaux, zélige, couleur sol, uni. Bien sûr que les carreaux sont multiples, mais c'est les mêmes couleurs qui se trouvent au plafond, au mur, au sol. Et puis ils ont une fontaine formidable, c'est-à-dire qu'une fontaine qui coule au centre, ornée de cette fontaine, leur grande cour là où ils font leur fête. C'est parti pour la visite au palais de la Voilà, je vais vous montrer la suite.
ici la grande cour. Sortons du palais maintenant, on s'en va au jardin. Je découvre à Marrakech, au Maroc, que chaque pays a son histoire. Parce que je fais cette découverte, c'est pour ça que je partage. Donc, les Juifs étaient des Arabes qui sont devenus Juifs après. Et Marrakech, le jardin secret, c'est là où il y avait le dattier. Et le dattier, c'était comme de l'argent quand les fruits, les dattes qui produit, que le dattier produit. Lorsque les gens quittent des pays d'alentour de Maroc, quand ils veulent traverser, les Marocains leur payent, parce que c'est des commerçants qui quittent de chez eux pour venir au Maroc, ils leur payent avec les dattes. Alors donc, ce jardin secret avait cet arbre dattier que nul ne pouvait le couper. Pour le couper, il faut des cérémonies pour le couper. On continue la visite. Hein. S'il vous plaît. On arrive au jardin secret là, donc on va faire la visite, hein. Je vais vous faire voir tout ça. Hein. On est arrivé là, nous on arrive là, on arrive là. Voilà. Le jardin secret était, on l'a donné jardin secret, c'est la ville Marrakech qui était le passage. Et c'est où se trouvait l'arbre secret. Donc, tous les commerçants faisaient leur passage là-bas. Et puis, on échangeait, soit on payait même les ouvriers avec les dattes. Donc, c'était un lieu de passage, Marrakech. C'était un lieu de sortie, comme par exemple, les Égyptiens passent par là pour y aller, peut-être ils vont traverser. Donc, les commerçants, quoi, les pays d'alentour de Maroc. De dire que chaque pays a son histoire. C'est comme la France a son histoire, le Cameroun a son histoire, l'Allemagne a son histoire. Donc, dans le temps, il y avait une histoire au Maroc. Je ne peux pas me mettre à vous raconter, j'ai juste je fais la découverte que tous les Juifs étaient d'abord Arabes. C'était des Arabes. Et les Turcs sont restés au Maroc longtemps, des années. 1912 à 1986. Vous voyez ça? Qu'est-ce que fuyaient chez eux? Ça veut dire qu'ils avaient des problèmes. Alors, je vais vous faire voir tout ce que j'ai vu et je crois que ça va vous plaire. La vidéo peut être un peu longue. Les Turcs sont arrivés au Maroc et ils sont restés des années. Ils sont restés plusieurs années pour, afin de repartir de 1912 à 1986. Les Turcs. Donc, c'était à Marrakech, c'était un passage. La visite continue. Hein? La visite continue. Continue le jardin. La visite continue. Hein? Et continue, continue. Je vais vous faire voir les choses. Nous sommes dans le jardin secret, hein. On vient d'arriver là. Mm-mm.
en photo, madame. Oui, oui, c'est pour ça. Vous allez me faire payer. C'est pourquoi je tourne. Ah bah, c'est normal que je veux faire payer les femmes. La boutique de l'herboriste, je vais vous montrer, il avait au moins 800 différentes sortes d'herbes médicinales. Hein. Donc, il y a tout pour se soigner, pour se purger, pour faire. Il y a plein d'herbes médicinales. Retour. Ici, c'est la maison d'épices. Hein. Maison d'épices. Maison d'épices. Olha aqui a pedra, só de subirzinho. Maison, restaurant, café. Les amis, on était chez l'herboriste. Hein. Vraiment, vous allez voir ce que j'ai vu. Donc voilà, on est ensemble. Moi, c'est le guide Hassan. Donc, voilà, il est derrière Hassan madame. Est là. Non, je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur guide du Maroc. Il donne tout, il donne tous les détails. C'est le meilleur guide du Maroc. Tous les détails. Salut tout le monde. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Donc, nous sommes, on a fini. Hein. Merci, merci de l'accueil. Bonne continuation, hein. Merci, merci, merci. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt, à bientôt. À bientôt. Ils n'ont même pas de nom. Boutique de l'herboriste, je vais vous montrer, il avait au moins 800 différentes sortes d'herbes médicinales. Hein. Donc, il y a tout pour se soigner, pour se purger, pour faire. Il y a plein d'herbes médicinales. Mes amis, je suis à l'embarquement pour le retour. Comme vous pouvez constater là, je m'embarque pour Paris là. À bientôt, à bientôt. On est arrivé là. On s'en va donc chercher les bagages et le voyage s'est terminé là.